En amont de Varsovie, la Vistule et ses affluents traversent les reliefs du sud. Longue de 1000 km, la Vistule est le seul fleuve qui soit entièrement polonais. Au bord de la Vistule, la ville de Kazimierz-Donli connut la prospérité grâce au commerce des céréales. Les négociants enrichis élevèrent de splendides demeures au style Renaissance. Plus à l'est, on entre dans la ville de Lublin. La cité a été occupée par les Autrichiens à la fin du XVIIIe siècle, puis elle l'a été par les Russes au début du XIXe. La façade du château de Lublin possède des lignes très orientales. À l'intérieur, la tour juive est un vestige du château originel. Dans les remparts s'intègre la chapelle de la Sainte Trinité. Les voûtes gothiques sont décorées de fresques russo-byzantines, très rares en Pologne. Elles remontent au début du XVe siècle et prouvent le caractère multiculturel de la ville. Tout au long de son histoire, la ville a beaucoup souffert de multiples invasions et dégradations. Elle vit aujourd'hui dans la sérénité retrouvée. En direction de la frontière avec l'Ukraine, apparaît la localité de Zamosk. Elle fut créée à la fin du XVIe siècle selon un plan simple et symétrique. La grande place du marché est le centre géométrique de la cité. La ville resta la propriété de la famille qui l'avait fondée jusqu'en 1944. Midi moins 5. Dans la tour de l'hôtel de ville, un homme endosse une cape traditionnelle. Midi. L'homme prend sa trompette et sort sur le balcon. Selon la tradition, la trompette retentit tous les jours à la même heure. Plus au sud, dans la région de la Malopolska, un site minier est en activité depuis des siècles, la mine de sel de Wieliczka. Ici, on récoltait déjà le sel en surface 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais le premier puits a été creusé par des moines bénédictins au XIIIe siècle. À 135 mètres de profondeur, circulent des galeries qui couvrent un réseau d'environ 350 km. Jadis, le sel avait beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Marek Sizewski. La mine de sel appartenait au roi. Et le sel qu'on sortait de la mine de Wieliczka couvrait les besoins de tout le pays. On peut dire carrément que l'économie du pays était basée sur le sel. Un tiers des revenus du roi provenait du sel de Wieliczka. Le sel représentait une grande richesse. Dans la mine règne un microclimat spécifique qui permet de soigner l'asthme et certaines allergies. Le long des galeries, des mineurs et d'autres artistes ont sculpté le sel. Leurs créations illustrent des légendes locales et prennent, dans certains cas, des proportions considérables. Les poutres de soutènement se sont imprégnées de sel et, avec le temps, se sont pétrifiées. Une chapelle, grande comme un hall de gare, abrite des sculptures remarquables qui reproduisent des personnages de l'histoire polonaise et différentes scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans la salle, l'acoustique est excellente et des concerts y sont parfois donnés. Comme partout en Pologne, le pape Jean-Paul II
figure en bonne place. Au sud-ouest de Varsovie, Łódź est la deuxième ville de Pologne par sa population. Elle fut rattachée à la Prusse à la fin du XVIIIe siècle et ensuite à la Russie. Les Russes décidèrent de consacrer la ville au textile. De grandes fortunes se constituèrent, comme celle de la famille Poznanski, qui vécut dans une demeure monumentale de la fin du XIXe siècle. Israël Poznanski était propriétaire de la plus importante fabrique de coton à Łódź. Son palais révèle sa fortune, mais aussi ses goûts artistiques où pointent des éléments art nouveau, très en vogue chez les industriels enrichis de l'époque. L'usine de Poznanski avoisinait son palais. Le colossal immeuble de briques a été restauré. Marta Varvziniak. Le centre Manufactura, où nous nous trouvons, ce sont des usines datant du 19e siècle, créées par un entrepreneur juif, Israël Poznanski. Il y avait là tout le processus de la fabrication du tissu en coton. Et à côté de l'usine, il y avait le palais et les maisons d'ouvriers. Poznanski a créé une ville dans la ville. Ensemble post-industriel, Manufactura est un bel exemple de réhabilitation réussie. Les structures, qui n'étaient pas classées, auraient pu être détruites. Elles ont été sauvées et mises aux normes de l'architecture et du design contemporain. Un musée retrace l'histoire du textile et de sa fabrication. En un demi-siècle, l'activité industrielle a transformé la petite bourgade de Łódź en une métropole où plusieurs nationalités se sont mélangées. L'usine de Poznanski couvrait plusieurs centaines d'hectares où étaient rassemblées les machines et les techniques les plus performantes de l'époque. Agnieszka Zygmuntowska. L'administration royale a accordé l'usage de terrains pour encourager l'installation de l'industrie textile dans cette région. Et à partir de 1823, des ouvriers des différents corps de métier, en provenance de Silésie, de Tchéquie, d'Allemagne, se sont installés à Łódź. Certains filaient le coton, d'autres s'occupaient du tissage, d'autres encore de la teinture. À côté des techniques de production, le musée présente aussi différentes créations artistiques, des broderies et des impressions sur tissu. Choisi pour le textile, Łódź fut aussi désigné pour accueillir une école de cinéma, aujourd'hui connue dans le monde entier. Andrzej Bednarek. La plupart des grands réalisateurs polonais connus mondialement ont étudié dans notre école, comme Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, et également tous les grands opérateurs de prise de vue. Ils ont tous étudié ici. Comme dans d'autres pays européens, la création cinématographique polonaise est soutenue par différentes institutions nationales, comme l'Institut polonais de l'art cinématographique. En Pologne, on produit plusieurs dizaines de films de fiction par an, et aussi de nombreux documentaires. Le musée du cinéma est installé dans la demeure d'un autre industriel du textile. On y expose du matériel et une curiosité, un stéréofantascope du 19e siècle, qui reconstitue le relief et le mouvement à partir de photos. Le Łódź Art Center se trouve également dans un immeuble vestige de l'industrie du textile. Le centre existe depuis 2005. Il encourage et organise de nombreuses manifestations artistiques dans différents domaines, du design à la peinture, en passant par la photographie. La ville de Łódź est emportée par un formidable élan créatif. L'architecture est bien évidemment concernée au premier chef, mais aussi les arts graphiques et les arts décoratifs. Partout en Pologne, des centres commerciaux ultramodernes voient le jour. Ils utilisent le dernier cri des matériaux et des techniques pour avancer sur les chemins du renouveau.
un hôtel design s'est étonnamment intégré à l'ancienne usine textile de Poznanski. Les structures métalliques et les briques contrastent avec les ouvertures elliptiques et les couleurs pastel. Un endroit très couru, où les créateurs présentent leurs dernières productions. Les chemins du renouveau empruntent des parcours originaux, comme celui des défilés de mode. Un organisateur, Jacek Klak. Il fallait que quelqu'un le fasse pour la première fois. Et pourquoi Łódź? Parce qu'il y a ici la grande tradition de l'industrie du vêtement. Au XIXe siècle, c'était le plus grand atelier de tissage dans cette partie de l'Europe de l'Est. Et au XXe siècle, c'était le plus grand atelier de confection de vêtements pour l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Actuellement, Łódź devient un centre pour les dessinateurs et les créateurs de mode. Il y a des grandes écoles et des écoles professionnelles pour apprendre ces métiers. C'est ici qu'il y a des concours comme Fil d'Or qui sont organisés pour promouvoir de jeunes créateurs. En prenant la direction du sud, le relief s'élève progressivement. Au printemps, les rivières sont gonflées par la fonte des neiges. Les premiers contreforts des Carpates apparaissent. En Europe centrale, les Carpates sont les seules montagnes de type alpin. Elles sont proches des Alpes pour leur climat, leur végétation, leur altitude et leurs formes effilées. Elles se divisent en plusieurs petites chaînes, comme les Tatras, où se niche la ville de Zakopane, tout près de la frontière avec la Slovaquie. L'environnement bucolique a séduit de nombreux intellectuels polonais, écrivains et musiciens. Ils apprécient le climat et le confort des maisons en bois de la région. Jan Karpiel est architecte. Ce type de maison est construite entièrement en bois. Autrefois, il n'y avait même pas de cave. La maison était simplement posée sur quatre pierres. En fait, c'est une maison faite comme un meuble. Mais ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est une construction de troncs d'arbres qui a été assemblée de façon à s'emboîter dans les angles. Et en ce qui concerne l'isolation, on comble les espaces entre les troncs avec de la laine. L'architecte polonais Witkiewicz a créé le style de Zakopane, un modèle de maison en bois toujours en vogue. Zakopane doit une bonne part de son essor à la pratique des sports d'hiver. Par le funiculaire, on atteint facilement le domaine skiable qui culmine à 2000 mètres d'altitude. La luge d'été procure aussi des sensations fortes. Dans le massif des Tatras, entre 800 et 1500 mètres, les alpages sont plutôt fréquentés à la belle saison. Władysław Butz est berger. Et avec ses deux chiens, il part à la rencontre de son troupeau. Les moutons arrivent dans la montagne au mois de mai. Ils y resteront jusqu'en septembre. Avec le lait de leurs brebis, les bergers fabriquent un fromage dont les origines remontent au Moyen Âge. On prend du lait de brebis
un peu de poudre fermentante, on mélange ça dans un tonneau, et puis après ça monte, un peu comme avec de la levure. C'est comme ça qu'on fabrique le fromage qui s'appelle Otsipek. Dès que la traite est terminée, le lait récolté est transformé sur place. Dans une cuve, le fromage est mis à maturation pendant 5 à 10 heures à température ambiante. Puis, on procède à une maturation chaude avant d'ajouter la présure, une substance qui fait cailler le lait. Ensuite, le fromage est suspendu pour qu'il égoutte en éliminant l'eau et le petit lait. Après des périodes de repos et de pressage à la main, le fromage est moulé, puis salé avant d'être fumé. L'Otsipek traditionnel au lait cru a été reconnu par l'Union européenne comme produit régional. L'appellation Otsipek est désormais protégée. Sur les étals des marchés, on trouve l'Otsipek sous différentes formes, la plupart du temps en fuseau ou en cylindre. Zakopane possède d'autres ressources, les cuirs et les peaux d'un cheptel varié. Les fourrures sont bien utiles dans une région où la température moyenne annuelle dépasse à peine 4 degrés. Je vends des produits en cuir, des peaux de mouton, de chèvre et de vache. Voilà une peau de notre région, de Zakopane. Le climat des Tatras est aussi influencé par un vent très fort, le Alni, qui peut souffler à près de 300 km/h. Heureusement, c'est un vent chaud. En hiver, le Alni est une malédiction pour les skieurs. En été, c'est en revanche une bénédiction pour sécher le foin et le linge. L'architecture en bois a aussi produit des édifices religieux. À Debno, la petite église dédiée à l'archange Saint-Michel date du XVe siècle. Elle a été construite en bois de mélèze grâce à des chevilles sans aucun clou. À l'intérieur, une magnifique décoration polychrome défie les outrages du temps. On a dénombré 33 couleurs différentes. Ce sont les dons des paroissiens qui ont permis de conserver l'ensemble en l'état. L'église est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Depuis le XIVe siècle, au bord du lac artificiel de Storstein, veillent deux châteaux. Leur présence vigilante est due à l'ancien tracé de la frontière avec le royaume de Hongrie. De longues barques en bois sont regroupées au bord de la rivière Dunajec. Elles sont assemblées avec des cordages pour former un radeau à la fois souple et solide. La manœuvre est exécutée par des montagnards bateliers comme Migdaj Stanokstov. Depuis toujours, on a descendu le bois par la rivière. Encore dans les années 1960-70, on faisait descendre le bois par la rivière. Mais ça n'a qu'un lien direct avec ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens qui habitaient au bord de la rivière ont toujours eu des petites embarcations. Autrefois, on les creusait dans des troncs d'arbres et on les utilisait pour le transport des marchandises et des personnes. Et déjà au début du 19e siècle, elles étaient utilisées pour le transport des touristes. Le long de la frontière slovaque, la route passe par Horouf et ses maisons traditionnelles en bois, construites sans le moindre clou. Ici, le travail du bois est un art. Jan Zider est sculpteur. Je m'inspire de thèmes religieux dans mon travail créatif et je suis spécialisé dans les crèches. Récemment, j'ai sculpté un Christ en bois d'1,80 m pour une église de Zakopane.
Là, je travaille sur une image de la scène d'après Léonard de Vinci, mais je la sculpte bien évidemment à ma manière. Dans un pays aussi profondément catholique, la plupart des commandes passées à l'artiste, comme ses sources d'inspiration, sont en grande partie d'ordre religieux.